Bonjour, je me présente David Gabriel, ma collègue Sarah. Nous, nous sommes là pour vous proposer en fait une animation un peu spéciale pour vos mariages tout simplement, qui est composée en trois étapes. La première étape, donc pendant l'apéritif, proposer aux enfants de canaliser justement leur énergie avec un maquillage artistique, du maquillage artistique et de la sculpture sur ballon proposée par Sarah. Voilà. Ensuite, pendant le repas, je passerai aux tables et divertirai vos invités avec du close-up, de la magie de proximité. Ça va être génial. Et ensuite, en fin de soirée, juste avant l'ouverture du bal, comme tout le monde n'aura pas fini de manger en même temps, donc pourquoi pas leur proposer en attendant l'ouverture du bal un spectacle de 20 à 30 minutes d'hypnose et de magie. Ouh. Alors, si vous voulez voir un petit peu tout ça, ce que je propose, allez sur mon site dgmagic.fr, ou alors vous me contactez au 06 92 87 96 06. Ça, c'est fun. Merci à vous. Au revoir. Ok, alors attention, regardez bien, ça se passe juste ici, avec rien du tout. Regardez, juste ça. Ça commence à devenir intéressant, de l'arche, une pièce, avec un peu d'imagination. Juste imaginer qu'elle disparaisse. Ta-da-da. Et puis juste en y croyant un tout petit peu, la faire venir. Je pourrais même imaginer qu'on puisse la faire voyager. L'autre côté. Et je pourrais même tout simplement la rendre invisible. Je ne sais pas si vous la voyez, peut-être de près, vous la voyez mieux, non? Oui, c'est bien ça. Ok, c'est super. Et ça, c'est génial parce que dans ce genre de situation, vous pouvez tout simplement imaginer que la pièce, elle disparaisse totalement. Merci beaucoup. À l'intérieur duquel, bien sûr, il n'y a pas grand-chose. Il y a juste un billet de 5 euros. Alors, un billet de 5 euros, c'est important de vérifier que c'est un vrai. Vous pouvez vérifier, s'il vous plaît, je pense qu'il n'y a pas le sujet. Honnête, le billet, ok, super, c'est parfait. Tiens, je peux vous demander de vérifier s'il y a quelque chose dans le porte-monnaie, s'il vous plaît, bien au fond. Vas-y, mets les doigts dedans, fais-toi plaisir. T'es pas encore marié. Vas-y, fais-toi plaisir. Ferme le petit porte-monnaie, s'il te plaît. Tu me l'envoies. Ok, on va essayer de faire un truc un peu spécial. Je te remercie beaucoup. Non, c'était prévu dans le spectacle. Je te remercie. Juste pour vous montrer le billet de 5 euros qui a été vérifié par une main innocente. Même elle, elle a l'air de douter quand même. Alors regardez bien, je vais vous montrer quelque chose que vous pouvez refaire chez vous, mesdames et messieurs, avec un billet de 5 euros. Alors imaginez que vous soyez dans le mariage. Pendant le mariage, vos invités sont là. Alors généralement, c'est le genre de choses que je fais de table en table. C'est-à-dire que je passe parmi les gens, parmi vos invités, pour leur proposer de l'animation magique, en fait. Imaginez que le côté, pour les réveiller un petit peu, pour mettre un peu d'entrain, pour qu'ils changent un petit peu de conversation, de parler de religion, de politique, de faits divers, ils vont parler de choses beaucoup plus festives dans votre mariage. Alors imaginez juste, regarde, je vais aller lentement, il n'y a rien entre les doigts, vous pouvez le voir, hein. Donc, généralement, vous savez, comme je vous disais, ils sont très proches, donc ils regardent tout, j'ai pas de manche. Et regardez, juste le billet de 5 euros, je le plie en deux comme ceci, en 4, en 8, en 16, et ça se fait assez vite, parce que juste en soufflant légèrement dessus, on a l'impression que derrière, la couleur est différente. Il y en a qui pensent que c'est à cause de la lumière ou quoi que ce soit, mais on voit bien que la taille aussi est différente, et parfois aussi, la valeur change. Je sais pas pourquoi les femmes se sont réveillées. Ouais, regarde pas, on va se marier, chérie. Regarde pas. C'est super pratique. Et en plus, on peut faire vérifier. Hein. On peut vérifier. Mais comme on n'a pas assez de temps, on va pas faire vérifier. Elle va me le faire disparaître. Non, allez-y, vérifiez pour de bon. Au moins, vous voyez vraiment qu'il n'y a rien. Que c'est... Oui, c'est un peu. Bon, ça garde. Arrête. Non, mais le problème, c'est que bien sûr, je ne vais pas le laisser comme cela, mais là, je viens vous faire travailler votre imagination pour vous faire rêver. Alors, on va faire le chemin inverse, voyage dans le temps. On va revenir comme au tout début, car je ne sais pas si vous vous rappelez, mais bien sûr, au tout début, j'avais... Non, au début. J'avais rien, au début. J'avais rien. Enfin, j'avais rien, c'est pas vrai. J'avais quand même mon petit porte-monnaie. Mon petit porte-monnaie, ouais. C'est... Mon petit porte-monnaie à l'intérieur duquel... Si on a bien voyagé dans le temps, super. On avait un billet plié, le billet de 5 euros. Alors voilà. Merci la foule en délire.
Donc voilà, vous imaginez un petit peu l'ambiance que ça peut mettre autour d'une table. Là, vous avez, on était loin, c'est pas une condition de mariage, bien entendu, les gens ne se connaissent pas, etc. Mais imaginez que vous allez devant une table comme celle-là et que vous voyez ce genre de choses. Alors, pour plus de renseignements sur la formule que je vous propose, la formule spéciale mariage, on est juste là avec Sarah. On va vous proposer, vous allez pouvoir voir un petit peu des vidéos et tout, on va voir la formule complète. Merci à vous, bonne visite et à tout à l'heure. Merci à vous.